Bonjour à tous, à la présentation de la lampe multifonction de Livarno Luxe, donc en vente chez Lidl. Donc faites attention, ce modèle-là sera légèrement différent par rapport à celui qui sera en vente ce jeudi. Donc il y a deux grosses différences. Donc la première différence, elle est à ce niveau-là. Donc ici, il y a 6 LED de 0,06 watts. Dans la nouvelle version, il n'y a qu'une seule LED de 0,5 watts. Ici, il y a 10 LED de 0,06 watts chacune. Dans la nouvelle version, il y a une seule LED de 0,5 watts. Et enfin, cette version-là, qui est plus ancienne, elle a une batterie de 500 mAh. La nouvelle version a une batterie plus petite de 250 mAh. Donc finalement, c'est une lampe multifonction. Donc vous pouvez donc soit vous en servir en petite lampe comme ça. Donc elle éclaire à ce niveau-là. Donc ici, vous avez plusieurs niveaux. Donc là, c'est éclairage fort, on va dire. Donc là, on peut baisser la puissance. Donc c'est éclairage à 50%. Et là, c'est clignotant. Donc son socle permet de la recharger. Et quand elle est posée sur son socle, elle fait office de détecteur de mouvement. C'est-à-dire que si vous la posez dans un couloir la nuit, si vous passez devant, elle va s'éclairer. Donc au niveau des inconvénients, on voit qu'il n'y a aucun moyen de changer les piles. Donc au niveau des avantages, l'éclairage est quand même assez fort. La batterie tient quand même assez longtemps, sur cette version-là en tout cas, 500 mAh, il n'y a aucun souci. Donc ici on voit qu'il y a un détecteur de mouvement. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le mode détecteur de mouvement ne fonctionne que quand elle est posée sur son socle. Moi je trouve que c'est un petit défaut, parce que finalement une fois qu'elle est chargée, on aurait pu la poser vraiment où l'on souhaite, elle aurait pu faire détecteur de mouvement. Là il faut vraiment qu'elle soit posée sur son socle. Donc là, je suis dans une pièce vraiment très sombre. Donc là, j'ai activé cette luminosité-là. Et là, je suis en puissance 50%. Donc on voit quand même que l'éclairage est quand même assez bon. Donc là, je vais la positionner en détecteur de mouvement. En mode détecteur de mouvement, elle capte jusqu'à 2 mètres. Donc là, je suis légèrement un peu plus de 2 mètres. Et voilà, vous voyez, elle s'éclaire automatiquement. Donc ça, c'est parfait dans des lieux de passage. Donc l'éclairage est quand même puissant sur cette version-là. Bon, je pense que l'autre version devrait avoir un éclairage similaire. Donc si vous achetez la nouvelle version, n'hésitez pas à me donner votre impression dans les commentaires, ce que vous en pensez. Ce que vous pensez de cette LED unique, si l'éclairage est aussi bien ou pas. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.